dans le top 5. Et un top 5 tellement spécifique qu'en fait, il n'y a pas de 5. Et oui, Boris, nous sautons directement à la 4e position. Oh là 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 là. Et nous allons trouver... Mais pourquoi donc? Dans cette 4e position, l'INDSC. Bravo à eux. Qui partagera cette place avec les Lego futés. Bravo. Ils sont alors, bouillants. Avant d'entrer dans le top 3, on va vous faire attendre encore un peu. Ben oui. Parce forcément. Que nous allons vous annoncer les prix attribués par les membres du jury. Lorsque les prix du jury seront cités, les équipes pourront se lever, venir près de nous puisqu'elles recevront un lot et leur coupe, évidemment. Et je vous propose que nous commencions par le prix du projet innovant. Pas facile cette année, le projet innovant, cette thématique de la logistique, c'était pas évident. Et ce prix du projet innovant va à l'équipe Let's Go, les Royal Lego. Bravo les Lego, Let's Go. Vous pouvez venir récupérer près de moi votre petite coupe, ainsi que le cadeau qui vous récompense. Il s'agit du kit Lego Education Brick Motion qui vous permettra d'explorer l'univers scientifique. Bravo. Félicitations. Bravo les amis, bravo. C'est le projet innovant. Projet innovant. On va laisser la tension monter encore d'un cran. Je vous avoue que même moi, ça me stresse là cette fois-ci. Alors que moi, je le sais. Hein. Moi, je le sais. Nous allons maintenant arriver en conception du robot. Non, Boris, tu veux autre chose? Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi conception du robot, t'as annoncé. Tu veux quoi? Je prends. Allez, design. Allons-y en conception du robot. Robot design, oui. Avec un prix attribué à Uber Robotics. Les grands habitués de la First Lego League à Sydney, Uber Robotics. Les champions en titre qui ont remis le titre en jeu, est-ce qu'ils vont réussir à le récupérer? C'est la question du jour. Félicitations, les amis d'Uber Robotics. De petits mi-arm makers, des petits bras robotiques. Bravo à tous. Un peu de bricolage à faire maintenant. Petite pause devant la caméra. Un petit cri. Un petit cri. Une jolie pause devant la caméra pour Uber Robotics. Bravo Uber Robotics. Bravo à vous. Allez Boris, je vois que ça te tente, les valeurs fondamentales, tu en avais envie. Oui. Boris, parlons des valeurs fondamentales. Ces valeurs fondamentales qui sont si importantes pour la First Lego League, le fait de s'entraider, de s'accepter, de collaborer. Et ces valeurs fondamentales étaient évaluées cette année également par les arbitres pendant le jeu du robot. Et oui, les arbitres ont regardé si vous aviez réussi à mettre vos différences de côté pendant les matchs, si vous avez réussi à surmonter votre stress. Et ce prix est allé à l'équipe Suspense. Des Cargo Music Team. Bravo Cargo Music Team. Venez récupérer votre petite coupe valeur fondamentale et vous recevez un magnifique jeu collaboratif justement que vous pourrez découvrir ensemble. Félicitations. Félicitations à vous encore. Bravo, bravo. Nous allons maintenant pouvoir dévoiler le top 3. Nous rappelons que cette année, seules les deux premières équipes saisiront le fameux sésame pour la finale de Meudon. Et en troisième position, je voudrais que vous applaudissiez des pieds et des mains pour l'école de Borlon. Bravo.
Bravo, la force du Bourlon, c'est l'union. Troisième position. Malgré la crainte de ce matin, jamais comme ça. Bravo, bravo. Avant d'annoncer les deux premières positions qui partiront à Meudon, à la finale française, on me demande, Anthony, si tu sais comment on appelle les habitants de Meudon. Alors, je l'ignore, mais j'imagine que ça ressemblait à une des nombreuses anecdotes que Bastien a eu le plaisir de nous proposer la journée, parce qu'il a pris un malin plaisir à jouer à Julien Lepers. Alors, oui, Boris, dis-moi, oui. Comment appelle-t-on les habitants de Meudon? Je ne sais pas, je me pose la question. Les Meudonnais. Les Meudonnais. Mais je propose que les deux équipes qui partiront là-bas, nous avons un petit mot pour dire si ce sont les Meudonnais ou les Meudonnois. Les Meudonnais, les Meudonnois. Peut-être même que c'est autre chose. Ben voilà, il ne nous reste plus que deux places à attribuer, évidemment. Et à la deuxième place de cette First Lego League 2022, Cargo Connect a signé au Ciné Expo. Ça va pas assez vite pour vous? Moi, bon, je sais pas, je trouvais que j'étais dans un bon rythme. Allez, à la deuxième place, je ne vous fais pas plus attendre. Nous allons retrouver la Cargo Music Team. Bravo Cargo Music Team pour votre deuxième position. Bravo, bravo. Deuxième position. Et alors, arrive le moment fatidique. Le moment fatidique. Et Boris, tu te souviens, j'ai posé la question déjà plusieurs fois sur cette journée. Bastien l'a posé également. Est-ce que les champions en titre allaient réussir à reprendre la couronne? C'est toujours un risque de repartir à l'aventure, de reprendre la composition d'un robot de zéro. Et vous avez désormais la réponse à la question que l'on s'est tous posée en entraînant également dans le sillage des points la coupe pour le jeu du robot. Uber Robotics s'empare de la première place. Bravo Uber Robotics pour cette nouvelle victoire. Vous recevez, pour vous féliciter, un superbe extension kit de Lego Spike, ainsi que la médaille évidemment du Robo Game et la coupe du premier prix. Bravo. On peut encore les applaudir bien fort. Ils remettent encore en jeu leur couronne, comme tu l'as dit, et repartent encore avec. Bravo à tous. Eh bien, Boris, maintenant que le classement est donné, maintenant que les prix sont attribués, je voudrais une dernière fois vous remercier tous et toutes, enseignants, parents, enfants, participants, évidemment, vous avez été géniaux cette année encore. Vous pouvez tous vous applaudir, bravo à tous. Un petit concours de cris peut-être. On va évidemment suivre attentivement les aventures des deux équipes qualifiées le 2 avril prochain. Et d'ici là, j'imagine que vous allez pouvoir prendre un peu de repos dans vos équipes respectives et vous préparer, je l'espère, à la prochaine saison. Conclu ? Non.